Nous sommes en Gaule, en 60 avant Jésus-Christ. À la croisée du monde celte et du monde germain, les troupes d'un peuple germanique appelé Suève ont traversé le Rhin. Emmenées par Arioviste, un chef de guerre aussi brutal que compétent, elles affrontent les Gaulois dans la bataille de Magetobriga. En effet, face à la menace de l'invasion, les Sequanes et les Édouins ont oublié leurs différends pour combattre sous la même bannière. Problème, Arioviste prend rapidement le dessus et les Gaulois se font écraser par l'envahisseur. Pour ces derniers, c'est donc un cauchemar qui prend forme. Des milliers, peut-être des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de tribus germaniques vont migrer sur leurs terres. Pourtant, les mélanges de populations se font parfois pacifiquement comme chez les Gaulois belges où les Germains vivent en paix avec eux depuis longtemps. Mais d'autres fois, l'arrivée des peuples nordistes peut faire craindre le pire. Chez les Sequanes, chez les Édouins, cela ne fait aucun doute. Il faut appeler Rome à la rescousse pour repousser les intrus derrière le Rhin. Alors comment la superpuissance romaine va-t-elle réagir aux événements? Est-ce que les affaires des Celtes et des Germains la concernent? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à ses meneurs politiques. Crassus, Cicéron, Pompée, César. L'un d'entre eux va-t-il en profiter pour triompher en impérator et peut-être prendre le contrôle de la République? Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Si comme moi, vous passez du temps à étudier les stratégies militaires de César, venez chercher la suprématie sur Red Shadow Legends. Vous pourriez exprimer vos talents de guerrier et d'organisateur sur le champ de bataille comme dans l'arène. Pour remporter vos parties où les événements s'enchaînent, il vous faudra la célérité et le coup d'œil du général. Dans ce jeu en ligne disponible sur mobile et sur ordinateur, tentez d'abattre un seigneur démon ou d'écraser un golem de glace. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé les graphiques imparables et les animations en tout genre qui font de ce jeu un superbe passe-temps. J'y joue au parc, j'y joue sous les bords de Seine, j'y joue dans mes transports. Et à chaque fois, je vois mon champion progresser d'une partie à l'autre. Je me dis que Napoléon n'aurait pas souffert de l'hiver russe avec de tels guerriers, mais bon. L'important, c'est que Red a mis à jour sa plateforme. Dans la tour Doom, il y a deux nouveaux boss à affronter, tout plein de salles secrètes à explorer et des artefacts à récupérer. C'est donc le moment pour vous de prendre de l'avance. En cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code affiché ici, vous obtiendrez non seulement 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique, mais vous aurez surtout un champion Shonoru, utile pour remporter les défis de la tour Doom. Bref, cliquez sur le lien dans la description et venez trouver vos bonus ici, dans la boîte de réception. Dépêchez-vous, car les récompenses ne sont là que pour 30 jours et sont ouvertes uniquement aux nouveaux joueurs. Alors à très vite, sur Red Shadow Legends. Au 1er siècle avant notre ère, les migrations des peuples germains vers le monde celtin provoquent des tensions parmi les Gaulois. Après Magetobriga, les Sequanes et les Édouins, complètement débordés, sont contraints d'appeler Rome à la rescousse. Mais la République latine a-t-elle vraiment un intérêt à s'ingérer dans les affaires de ses voisins? A-t-elle vraiment envie d'intervenir si loin? Pour bien saisir la réception de cet enjeu dans le monde romain, il faut étudier d'un peu plus près le quotidien de l'Italie, au 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque où nous parlons, les habitants de la péninsule vivent en République. Au sommet de l'État, on retrouve les patriciens. Cette sorte de noblesse de l'Antiquité sont des aristocrates, des héritiers de familles très anciennes dont les ancêtres remontent à la fondation même de Rome. Ce sont aussi des gens très riches. Ils possèdent des terres, ils possèdent des fermes, ils possèdent des campagnes entières sur lesquelles les esclaves, les paysans et les ouvriers travaillent. Le patriciat ne représente que 300 familles environ, mais le contrôle de la production agricole leur permet de régner sans partage sur le monde latin. En plus, parce que domination économique rime avec domination politique, les plus ambitieux des patriciens sont nommés à vie dans le Sénat. Ils discutent alors des affaires domestiques comme des affaires étrangères, et leur statut politique semble intouchable. En plus, au 1er siècle avant notre ère, les patriciens contrôlent non seulement la République, mais aussi les voisins de Rome. Il y avait Carthage pour leur faire concurrence, mais Carthage est détruite en -146. Il y avait aussi Corinthe, ville très puissante de la Grèce antique, mais en -146 également, la ville est incendiée puis rasée par les Romains. Suite aux victoires, les patriciens et les sénateurs s'enrichissent encore plus.
Ils contrôlent les routes commerciales de Méditerranée. Ils contrôlent la mer Égée. Ils imposent des taxes aux quatre coins du monde. Décidément, de l'extérieur, il semble que rien ne puisse inquiéter le patricien romain. Maintenant, regardons les conséquences de l'expansion romaine à l'intérieur du monde latin. Car si les patriciens représentent environ 300 familles, l'Italie compterait entre 1 et 4 millions d'habitants selon les estimations. Alors est-ce que tous ces gens profitent aussi des richesses de la guerre? Est-ce que l'argent gagné par le patriciat ruisselle jusqu'en bas pour que les pauvres en profitent? En fait, c'est carrément le contraire qui se passe. Plus la République s'étend à travers le monde, plus les pauvres semblent frappés par la misère. Alors comment expliquer ce contraste économique? Pour répondre à la question, il faut étudier la structure de la société romaine. Tous ceux qui ne font pas partie des 300 familles qui siègent au Sénat sont appelés la plèbe. Certains plébéiens sont riches, comme les chevaliers et les notables. Les chevaliers reçoivent des propriétés foncières en l'échange de leurs services. Les notables, quant à eux, travaillent souvent dans les banques, dans les entrepôts maritimes, dans les services publics de la ville, comme les thermes ou les théâtres. Pour tous ces gens, la chute de Carthage et l'expansion de la République est plutôt une bonne affaire. En revanche, pour la quasi-totalité de la population romaine, c'est-à-dire les citoyens qui ont le droit de vote et les femmes qui ne l'ont pas, l'expansion territoriale ne les enrichit pas. La raison est plutôt simple. Pour environ 300 000 hommes adultes et sûrement autant de femmes, on trouverait entre 1, 2, voire 3 millions d'esclaves. Les esclaves ne coûtant pas très cher à leurs propriétaires, les plébéiens ont bien du mal à trouver un travail. Plus il y a de conquêtes militaires, plus il y a d'esclaves, plus il y a d'esclaves, plus il y a de chômage chez les hommes libres. Pire, comme tous les citoyens servent dans la Légion et comme le service militaire est de plus en plus long, les hommes s'absentent régulièrement de chez eux. Résultat, les fermes ne sont plus entretenues, les terres sont rapidement défrichées, les petits exploitants sont rapidement ruinés quand ils reviennent de campagne. Certains trouvent du travail chez les grands exploitants. Mais comme ils sont remplacés par les esclaves, les plébéiens n'ont pas d'autre choix que de s'exiler vers la ville. Sauf que dans la ville, à part le chômage, la violence et la pauvreté, il n'y a pas grand-chose. Bref, la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ n'a rien du monde idéal que l'on s'imagine souvent. D'un côté, la plèbe frappée par la misère. De l'autre, l'aristocratie, la chevalerie et les notables qui profitent de l'expansion. Ces derniers vont-ils accepter de redistribuer les richesses? Ou la situation va-t-elle dégénérer pour sombrer dans la guerre civile? Au 1er siècle avant notre ère, la pauvreté frappe la République romaine de plein fouet. Le patriciat, c'est-à-dire la noblesse de l'époque, contrôle la vie politique et économique. La plèbe, c'est-à-dire tous les autres, vit souvent dans la misère la plus totale. Cependant, comme nous le savons, la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ est une démocratie directe. En toute logique, si des masses sont frappées par la pauvreté, alors le mécontentement devrait s'en ressentir dans les urnes. En effet, les plébéiens se réunissent en assemblée locale, qu'on appelle comices, pour élire chaque année un tribun et deux consuls. Les consuls promulguent la loi qui régit la vie de la cité, les tribuns portent la voix du peuple pour influencer les consuls et le sénat. Si les femmes et les esclaves sont exclus du processus, le système semble quand même démocratique. Néanmoins, il existe beaucoup de freins qui empêchent la plèbe de s'exprimer pleinement. Premier levier de contrôle, si toute la population masculine de l'Italie peut voter, elle ne peut voter qu'à Rome. À Rome, et nulle part ailleurs. Sur 300 000 électeurs potentiels, avait-on dit, on estime qu'à peine 30 ou 60 000 au grand maximum peuvent assumer les frais de voyage. Avec un tel niveau d'abstention, les élections sont faussées d'avance. Deuxième levier, l'origine sociale des gouvernants. Avant de prétendre candidater au consulat, il faut d'abord avoir été questeur, édile, puis prêteur. Impossible de parvenir au sommet du gouvernement sans avoir passé tous les échelons précédents. Et impossible de monter sur un échelon si l'on n'a pas d'argent pour financer une éducation. Si le questeur est un comptable, alors il faut savoir compter. Si l'édile est un administrateur, alors il faut savoir écrire. Si les prêteurs rendent la justice, alors il faut connaître le droit. Le cursus honorum, comme on appelle le parcours que doit suivre tout citoyen pour devenir consul, est un cursus élitiste.
Autrement dit, aucun membre de la plèbe, à part ses minorités les plus riches, ne peut accéder au sommet de l'État. En plus de l'abstention, la reproduction sociale des élites est un moyen très efficace pour protéger les intérêts du patriciat. Alors que reste-t-il aux masses pour s'exprimer en politique? Peut-être le tribun de la plèbe? Ce dernier est élu pour un an? N'importe qui peut prétendre à la fonction? Il peut lancer un plébiscite pour faire passer une loi. Cependant, le Sénat protège encore ses intérêts. Par Senatus Consulte, il contrôle non seulement les projets de loi du tribun, mais exerce aussi une très forte influence sur les consuls. Bref, même si chaque homme majeur a le droit de vote, la politique romaine est complètement verrouillée par le haut. Néanmoins, l'élite a quand même besoin du vote des plus pauvres pour établir un gouvernement. Avec un schéma simple, essayons de comprendre les rouages de la vie politique sous la République romaine. Première chose à savoir, avec l'influence de la religion et l'absence d'éducation, il n'y a pas encore d'idéologie politique au sens moderne. La gauche et la droite n'existent pas, il n'y a pas de parti. Plutôt, les conflits politiques obéissent à un format plus subtil. En haut de la pyramide, il y a toujours les patriciens. Ces grandes familles d'aristocrates sont en concurrence les unes contre les autres, si bien que pour placer leurs pions au sommet de l'État, elles cherchent à capter le vote des citoyens en les recrutant dans leur clientèle. Clientèle, sous la République romaine, c'est un groupe de citoyens plus ou moins fidèles qui promet son vote à un aristocrate. Et bien sûr, plus la clientèle d'une famille est nombreuse, plus la famille est puissante. Alors comment convaincre les Romains de rejoindre une clientèle? Comme toujours dans l'histoire, le moyen le plus simple de remporter les élections, c'est d'avoir de l'argent. Comme la plupart des citoyens sont pauvres, les riches achètent tout simplement le vote. Avec un peu de pain, avec un peu de monnaie, avec un panier garni qu'on appelle la sportule, les aristocrates obtiennent rapidement des promesses de vote. Le candidat peut aussi promettre des jeux au cirque, il peut construire des théâtres, il peut dilapider l'argent public dans des projets complètement inutiles pour se faire remarquer. Sinon, il y a aussi la gloire militaire. Dans la psychologie collective, c'est forcément être soutenu par les dieux. Si l'on remporte une grande bataille, si l'on revient victorieux d'une campagne, si l'on repousse un envahisseur loin des frontières de la République, c'est que le ciel vous confère un droit naturel pour diriger sur Terre. En plus, si chaque citoyen a le droit de vote, il a aussi le devoir de servir dans la Légion. Résultat, les liens entre les militaires et le corps électoral sont extrêmement forts. Quand un général est assez malin pour entretenir ce lien, il devient vite le favori des élections. En revanche, puissance financière et gloire militaire ne font pas tout. Pour les patriciens qui n'ont ni argent ni passif sur le champ d'honneur, il est aussi possible de promettre des réformes. Réformes économiques, réformes politiques, réformes judiciaires. Jurer d'améliorer le quotidien des Romains est une stratégie encore plus efficace que les deux précédentes. Car dans un contexte où la pauvreté augmente, les promesses de pain, les promesses de victoire, elles ne sont pas aussi efficaces que les promesses de réforme. Le problème, c'est que le changement menace directement la classe dirigeante. Rapidement, face aux candidats qui sombrent dans la démagogie, la riposte s'organise. Ainsi, la classe politique romaine se divise en deux camps. Ceux qui proposent des réformes sont appelés les populares. Ceux qui veulent maintenir les choses en l'état sont appelés les optimates. Populares, qui veut dire populaire en latin. Optimates, qui veut dire meilleur. Soit la République redistribue ses richesses, soit la République ne récompense que ses meilleurs citoyens. Et bien sûr, entre les deux factions, aucun compromis n'est possible. La clientèle populares s'affronte la clientèle optimates. La violence, puis le chaos s'empare de la capitale. Et voici donc à quoi ressemble la vie politique romaine au 1er siècle avant notre ère. La misère aux quatre coins du pays, un système politique complètement verrouillé par le haut, des citoyens divisés au bord de l'affrontement général. Chaque jour, et chaque jour un peu plus, la République s'approche de l'implosion politique. Dans l'esprit de beaucoup de citoyens, il va de soi que le système veut changer rapidement. La seule question qui se pose, c'est comment ?
1er siècle avant Jésus-Christ, l'expansion rapide de l'Imperium, c'est-à-dire le territoire contrôlé par la République, augmente la misère et la pauvreté en Italie. En réaction, la politique se divise en deux camps. Les populares, qui veulent partager les richesses, les optimates, qui veulent maintenir les choses en l'état. En -82, la lutte entre les deux factions tourne à la guerre civile. Un populares appelé Marius affronte un optimates appelé Sylla. Manque de chance pour le premier, c'est le second qui l'emporte. Sylla mène alors une répression terrible contre les opposants. Les chefs de file populares sont pourchassés, la plupart sont exilés ou exécutés sans jugement. C'est à ce moment qu'une famille très puissante de Rome, qu'on appelle les Jules, se fait persécuter par le pouvoir. Le jeune César, qui n'a alors que 20 ans, doit fuir la capitale en -80 pour éviter les ennuis. Ruiné, il s'engage dans l'armée mais conserve un désir de vengeance au plus profond de lui. En revanche, pour d'autres personnes plus proches des optimates, la dictature de Sylla est une opportunité fantastique. Avec la crise déclenchée par la guerre civile, un aristocrate appelé Crassus en profite pour s'enrichir sur le dos des opprimés. Si les opposants politiques sont chassés de leur maison, si les femmes et les enfants sont expropriés, si les soldats tuent les ennemis de l'État, alors Crassus peut racheter leur logement à prix cassé. Il attend un peu que les cours remontent, puis revend son nouveau patrimoine au plus offrant. La spéculation immobilière, version antiquité, fait de lui l'homme le plus riche de Rome. Et comme nous l'avons vu, de puissance financière à puissance politique, il n'y a qu'un pas. Aussi, Crassus finance n'importe quel candidat pourvu qu'il défende ses intérêts. Optimates, populares, complot, assassinat, tous les moyens sont bons pour protéger les intérêts de sa famille. Autre gagnant de la dictature, en -79, Pompée reçoit pour mission d'écraser les populares en Hispanie. Remarqué pour ses talents de stratège, il repart en croisade en -65 pour détruire les pirates qui ruinent le commerce. Ne sachant pas s'arrêter, il combat aussi le royaume du Pont puis continue sa route jusqu'à Jérusalem. En 63 avant notre ère, Pompée devient Pompée le Grand et s'impose comme un cador de la politique romaine. Si Crassus représente la puissance financière, Pompée symbolise la gloire militaire et la preuve que les dieux lui confèrent la vertu pour diriger les hommes. Et puisqu'il est ambitieux, il compte bien se constituer une clientèle aussi grande que fidèle. De retour de campagne, il demande des terres en Campanie pour ses soldats et demande des avantages politiques pour les villes qu'il a conquises. S'il réussit, il aura non seulement une réserve de citoyens fidèles à quelques kilomètres de Rome, mais aussi des habitants reconnaissants dans les provinces d'Orient, qui à l'époque sont les plus riches du monde connu. Problème, entre Crassus qui corrompt la politique et Pompée qui devient trop puissant, le Sénat prend peur et se défend. Profitant d'une conjuration contre l'État, qui sont monnaie courante à l'époque, le philosophe Cicéron reprend le pouvoir en main. Acclamé par les sénateurs qui l'encouragent à se montrer sans pitié contre les conjurateurs, le penseur n'y va pas de main morte. En -63, les suspects sont capturés, enfermés, puis exécutés sans jugement. Pour ainsi avoir sauvé le Sénat, Cicéron est proclamé père de la patrie romaine. Confiant, il fait peur à Crassus, qui avait soutenu nombre de candidats subitement exécutés par le philosophe. À Pompée, il refuse les terres pour ses vétérans et les droits politiques pour les villes d'Orient. En quelques mois, Cicéron replace le Sénat au cœur de la puissance romaine. Mais Crassus et Pompée n'ont pas dit leur dernier mot. D'habitude concurrent, les deux hommes décident de faire la paix. Le premier représente la puissance financière, le second représente la puissance militaire. Si ces deux choses ne suffisent pas, c'est donc qu'il faut monter le peuple contre son élite en proposant des réformes. C'est là que le jeune César revient sur la scène. Un peu plus tôt, nous avions dit que sa famille fut persécutée. Après la mort de Sylla, César revient à Rome avec un désir de vengeance contre l'injustice. Il aimerait commencer le cursus honorum, mais il n'a ni argent, ni passif sur le champ de bataille. À court de solutions, il fait campagne en promettant des réformes. Plus de pain pour le peuple, plus de terres pour les paysans, plus de droits pour les provinciaux. Rapidement, César devient questeur en -69. Bien sûr, les discours populares sont très dangereux après Sylla. Mais avec la haine qu'il anime vis-à-vis du Sénat, Crassus y voit un soutien potentiel.
Il finance alors le jeune homme et ce dernier devient édile en -65. Habile, au moment où Cicéron commence ses purges contre les opposants, César est élu grand pontife du Panthéon romain. Grand pontife, ou Pontifex Maximus, c'est un rôle extrêmement important sous la République. Interpréter les présages, interpréter le climat, communiquer directement avec les dieux. Les occupations religieuses de César lui confèrent un statut d'intouchable. Ainsi, en -62, il est peut-être l'un des tout derniers populares. Échappant aux griffes de Cicéron, il devient préteur. Aussi, puisque l'ennemi de mon ennemi est toujours mon ami, Crassus et Pompée décident de conclure une alliance avec César. L'accord, qu'on appelle le premier triumvirat, consiste en deux choses. Premièrement, Crassus et Pompée soutiennent César dans sa candidature pour devenir consul. Ensuite, une fois les élections remportées, le Jules protégera les intérêts de ses soutiens. Ensemble, les trois hommes représentent un danger de premier plan pour le Sénat. Puissance financière, puissance militaire, puissance populaire. Cicéron doit trouver le moyen de réagir rapidement. Voici donc dans quel contexte l'appel des Gaulois contre les Germains arrive à Rome. Mais quelle sera la réaction des Romains? Est-ce vraiment le moment pour le Sénat, pour Cicéron, pour Crassus, Pompée ou César de s'intéresser aux affaires extérieures? Peut-être. Car si l'un d'entre eux remporte une écrasante victoire contre les Germains, il serait sûr et certain de remporter les élections. Une action d'éclat, juste avant d'appeler les Romains aux urnes. Il n'y a rien de plus efficace pour faire basculer un suffrage. Alors que va faire César? Prendre les armes? Négocier la paix pour éviter que ses concurrents ne gagnent en popularité? Ce qui est sûr, c'est que les affaires des Celtes commencent à l'intéresser. Comme s'il était déjà convaincu que très bientôt, le destin l'appellera en Gaule.